Un roi togolais nommé Togbé, vu son âge avancé, a décidé d'adopter un fils qui le succédera. Togbé lança un concours avec 10 garçons. Le roi leur dit « J'ai un test à vous faire et celui qui réussira deviendra mon fils adoptif et héritier de mon trône. » Togbé donna à chacun d'eux une semence de maïs et leur dit de les semer chez eux, à la maison, et en prendre soin pendant 3 semaines. Les 10 garçons ont pris leurs graines et coururent à la maison pour les semer. Dans une maison, un garçon et ses parents étaient tristes lorsque la semence n'a pas réussi à germer. Le garçon avait tout fait, mais il a échoué. Ses amis lui ont conseillé d'acheter une autre graine et planter, mais ses parents, craignant Dieu, lui avaient toujours enseigné l'honnêteté. Sur ce, il a refusé les conseils de ses amis. Le jour est venu, et les 10 garçons se rendirent au palais. Tous les 9 garçons ont réussi. Togbé demanda à chaque garçon « Est-ce que c'est ce qui est sorti de la graine que je vous ai donnée ?» Et chaque garçon répondit « Oui, votre majesté. » Le roi hochait la tête en se tournant vers le dernier garçon sur la ligne qui tremblait de peur. Le roi lui a demandé « Qu'avez-vous fait avec la graine que je vous ai donnée ?» Le garçon dit « Je l'ai plantée et entretenue, votre majesté, mais elle a refusé de germer. » Togbé s'est rendu au trône avec le dernier garçon et dit « Je vous ai tous donné des graines bouillies, et une graine bouillie ne peut jamais germer. Si un roi doit avoir une qualité, elle doit être l'honnêteté, et je vous déclare que ce garçon dont la semence n'a pas germe a reçu au test. »